retrouve pour... On doit faire du bon travail. Sinon le chef de guerre viendrait nous montrer ce qu'est réellement la force. 3, sinon je vais tout streamer. De... Nombre de portes. Hop. Donc, comme je... la fois j'avais des attendez, bugs... Je sens quelque chose. J'ai un peu joué hors caméra. Juste le vent, j'imagine. Lave-toi les oreilles. T'entends toujours des choses. Essaie un peu de riposter. C'est trop près. Qu'est-ce qu'on va faire? Nos guerriers méritent davantage que ça. Voilà, donc j'ai réglé un problème de bug. Donc j'ai utilisé Nvidia, j'ai forcément besoin d'une carte graphique qui tourne, comme ça il a optimisé mes graphismes. Avant je tournais avec Shadowplay, mais bizarrement, Shadowplay, je l'utilise. Il marchait, et là quand je l'utilisais, il marche plus. Pour une mort, elle était pathétique. Quand on dirige une bande d'Uruks, il faut au moins mourir en se battant. Donc comme je disais, j'ai un peu joué leur cam. Pour vous rappeler mes bugs et en même temps j'ai fait quelques petites missions de quelques petites quêtes annexes pour débloquer genre mon entier dans le feu, ça explose. Et... je parle de cette sorcellerie pour que ce soit seulement des rumeurs. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. J'ai jamais aimé la sorcellerie. C'est la marque foutu poltron. Le rôdeur des gamins qui a eu de la chance. Il sera moins chanceux. Il y a une trou ici. Et tout seul. La lui, seule hein. Nourriture qui reste, c'est un tonneau de poissons pourris. Je vais te décorcher. Enfin, je suis libre. Collecter des flèches pour les retirer d'elfes. Avec la sorte de vision. Est-ce que je peux récolter des flèches? Il n'y a qu'une seule façon de vivre au Mordor. Je m'en fous. Tour de feu, je crois que c'est... Faut découvrir la zone. C'est de tuer toutes les menaces avant qu'elles ne vous tuent. Ça me servait à quoi? Je crois plus, je pense. Ce genre de truc hors caméra... Derrière la porte noire. Il paraît que le soleil peut briller des semaines, que le sol ne tremble pas, et que la foudre ne tombe presque jamais. Entrée débloquée incompétente. Ouais, je t'en... Bon, si vous entendez des bruits de perceaux, c'est dans les travaux chez moi. Que voilà. Passons dans la caméra, on va péter, on ne s'entend pas. Oui. C'était ouais, attendez, je sais plus comment on fait, dans son spectral, ouais. Si on ne rien. Mage gauche, majuscule, gauche, simple. D'accord, il y en a d'autres. Puis ça. Ah non. Hop. Le capitaine veut éliminer certains poltrons de nos rangs. Et bien sûr fertile, hop c'est bon. On va essayer de choper la tour. Bon, j'aurais pu de faire ça hors cam, mais bon. C'est quel trop de problème. J'ai hâte d'avoir ma récompense. Ouais, on s'en fout. Voilà, c'est déjà. Je vais beaucoup vu que le dernier épisode, ça fait plaisir, donc je trouve ça rare. J'ai une sorte de sprint. Faut que c'est quand je fais une petite. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Hop.
hop, et là on la monte. Là je pense que c'est un peu comme dans Assassin's Creed, les visions d'aigle, tout ça, hop. Je pense que ça permet de respawn les endroits. C'est quoi cher. Ouais c'est ça. Mon destin ancestral, je dois le repousser avec la lumière. J'ai pas avancé lors de la journée parce que ça met un peu de temps à charger. Rien de quoi. Il y a eu un massacre ici. Je vais essayer de choper. Donc on doit aller là. C'est pas une bonne idée. Donc on va refaire la mission qu'on a commencé. Ouais. J'en ai assez, Doudou. Vivement qu'on part contre le mal. Hop, tout en passant. Surcharge pas, torche. J'ai lancé des ourouk aux trousses de l'esclave. Pourquoi tu viens pas ici, Ender? Me dis pas que t'as peur. Ok, les textures ont venu. Les textures qui ont pas chargé. What the... Un petit seuil de chargement, c'est pour remettre les textures, hein, j'espère. Rodeur, approche si tu veux la main noire. On l'a déjà vu, hein, pour ceux qui... Ouais. Hop, pour les informations. Puis vous les souhaitez, c'est peur des gosses, faire un lâche qui s'enfuira. Caragors, je pense que c'est bon. Ah. Voilà, excusez-moi. Hop, non plus, va nous. On ne peut pas se fier à ces esclaves, prêts à vous frapper en traître. Au moins les Uruk attaquent de face, et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rodeur. Écoute. Tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place. Ça c'est comme ça, c'est comme Ratbag. C'est ce Goroth qui commande. Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Ratbag pour devenir chef de guerre. Oh, attendez, je vais récupérer ça. Oh, je dé la foule, la flèche. Excuse-moi. Alors, prépare-toi à lui passer sur le corps. S'il m'attend, il va faire son truc tout seul. Donc là, je sais bien qu'on se fait avoir à l'entrée, c'est ça. Très bien, hop, pour les avoir un peu. Bah, surprise. Comment tu t'es libéré, Vermine? J'ai jamais de bon. Ok. Super ça, ça. Occupez-vous du rôdeur, pas de moi. Qui sait une cible plus facile? Son épée est cassée. Fichez la paix à cette vermine, Uruk. Venez plutôt m'affronter. Eh, ça c'est qui ça? Et hop! Ah, j'adore ça!
Moi aussi, je t'aime. Bien joué, Honneur. Maintenant, ça, imagine que tous ces corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Radbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Radbag s'en souvienne. Mais Radbag ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Radbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Radbag. Goroth va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Goroth garde des Karagor dans des enclos. Et le bricour qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Ouais. Et je parie que tu voudrais que j'aille dans ces enclos. Goroth est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Le capitaine Goroth est juste devant. J'en salive d'avance. C'est l'heure de la vengeance. Supporter ta sale tronche. Petit lag. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Ah, bon, c'est la mission. Un bronc s'est échappé. Quelqu'un doit aller le chercher. Eh ben, pas moi. J'ai mieux à faire. Voilà, ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer un petit somme. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Oh, Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du Kansas. Goroth est dans le Kansas. Attendez, genre, apparemment, il n'est pas toujours. Je fais une petite ellipse pour voir ça va. La peur voilà, est un outil puissant, Talion. Exploite ton sel de Goroth. Montagne de berserker ici. Génial. Encore plus de limaces qui vont se battre pour le croc. Ouais, on a t'as besoin de bouger. On peut régler le problème nous-mêmes. Quand on marchera hors du Mordor, on traquera ce qui reste des elfes et on les massacrera tous jusqu'au dernier. Pauvres elfes. Excusez-moi. Il ne restera plus que des fous. Ils l'ont attaqué dans le couteau. On traite que les différences comme d'habitude. Et à main nue en plus.
Laquelle de ces vermines est Goroth? Je suis Goroth! Aucun Uruk ne dresse les bêtes comme moi! C'est des massacres. Ou deux, le 4 là. Comment on peut les libérer? Cette tour, les pierres elfiques brillent comme si elles étaient faites de lumière. C'est un fantôme. Le prochain orque qui dit que j'ai peur de mes caragors finira dans leur gosier. Les caragors ont une langue qui leur est propre et je la parle. Vous n'entendez peut-être que les grognements, mais moi je les comprends. Toi! Je jetterai à mes caragors les pieds en premier pour que tu les vois te dévorer. Façon pas très épique quand même. Tu me trouveras pas comme ça. Oui, je sais ça. Y'a pas besoin. Bloquez-le. Mais toi tu vas pas t'échapper. Voilà. Non, je l'ai pas l'aware. À la fin du tournoi, les rapports de pouvoir, les événements et les joueurs de pouvoir dans l'arme de sort nous ont entendu tout à l'heure. Donc ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment pas mal. Ah, il y en avait un de... Ah oui, mais c'est une connerie de... Ferme-la un peu.
Un peu de respect, bande de limaces. Vous serez les prochains sur la liste. Rattrapez votre capitaine. Allons jeter un coup d'œil. Allez, et quand vous aurez terminé, j'aurai d'autres corps à transporter. Retrouvez-moi au carrefour. Un vieil ami va bientôt perdre la tête. Eux, ça fout que ça prend une carte. D'abord, je ressuscite grâce à un spectre, et voilà que je travaille avec un orc. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Les orcs se détestent entre eux presque autant qu'ils nous détestent. Dresseur assuré! Les missions principales, ça sera en jaune. Plus de missions principales, voilà, ça va être ça. Donc ça c'est une mission principale, donc on va... Mais je peux pas renseigner ici. Ah oui, c'est vrai, c'est une forteresse, non? Ah oui, toi, tu vas faire un petit bond. Ah oui. Allez hop, c'est parti. C'était aussi une forteresse, j'ai oublié. Il te fait se barrer. Faut voler, vraiment on peut avoir de chance. C'est des plantes pour prendre de la vie. Voilà, contrôle. Et reprendre la vie, voilà. Pas pourquoi il nomme pas chef de guerre. J'ai compris. Tu es jaloux de Rabag. Tu n'as qu'à lui trancher la gorge. Mission histoire était là, donc hop, c'est que ce déplacement rapide. Ce jeu est quand même ça, c'est un scrolling, hein.
Enfin, je veux dire que bon, ça se serait. Mais bon. Donc là, je pense que je vais arrêter le let's play ici. Je vous dis merci d'avoir regardé ce let's play. Donc, c'était fait sans, qui s'est fait sans bug pour une fois. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.